Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion d'une autre Sauberry. Je rigole parce que je sens que le chat va encore dire et faire des conneries. Donc voilà, moi je m'en doutais de celle-là. Elle parle Bonjour, pas. Bonjour, la MIF de la rediff. Voilà, alors faut pas, voudrait pas vous étonner, on a Chantal, hein, elle s'appelle Chantal et elle parle. C'est donc ils aiment beaucoup la faire parler, donc je suis désolée parce Salut que... la rediff. Voilà, ils sont gentils encore pour l'instant. Je leur ai demandé d'être sages, donc on espère qu'ils le soient. On retrouve notre petite famille Rainbow. Oh purée. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas... Tu vas faire des pompes. Je suis pas d'accord. Tu vas t'occuper de ça, là? Salut la rediff. Voilà, merci. Vous êtes gentil. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Je suis fatiguée. Bah, tu vas dormir, non? Saleté. Commence pas. Vous savez, je veux même plus attention. Culcule les gens de YouTube. Non, alors, je vous explique rapidement pour ceux qui vont pas comprendre ce qui se passe. En gros, ils donnent des cheers et des beats. Et ils peuvent, en mettant un message, faire parler une voix que j'ai activée. Alors, c'est très rigolo. On se marre beaucoup. Sauf que, bon... Si c'est tout le temps, ça devient chiant. Mais surtout que vous n'allez pas comprendre parce que c'est pas le même délire, mais bon. Ils sont gentils, ils sont adorables, ils vous ont dit bonjour. Voilà, donc c'est mignon. On dirait une maman qui présente ses enfants à la crémière qui rentre de ses gosses. C'est ça. Alors, je vous avais demandé la semaine dernière si vous vouliez avoir... Bah, tu vas pas manger, tu vas dormir, cocotte, il est 4h du mat. C'est bien l'anniversaire de la Vendée de Lila. Très bien. Si vous voulez le chat, vous n'étiez pas peu à répondre. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit oui pour le chat. Du coup, je ne l'ai pas intégré sur l'écran. Donc, vous ne verrez encore une fois pas le chat. Mais plus vous mettrez un commentaire en disant on veut le chat, et bien je le mettrai. Et plus vous mettrez de commentaires je ne veux pas le chat, et bien je ne mettrai pas. Voilà. Pour ceux qui n'auront pas skippé cette partie, vous le saurez. Oh purée. T'as tout qui choisit le meilleur moment. Ok, très bien, ça commence. Ça commence, ça commence. Ça fait juste une heure que je suis en live déjà, mais... Alors, elle est où ma fiche, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce mot, t'as tout? Oh là là, j'ai du taf, là. Là, il va être compliqué. Je sais même pas. Ça ressemble à un truc de... Ah si, attends, un xylophone, c'est un... La glotte, c'est la langue, c'est la gorge, c'est la langue, c'est le fait de parler. Je sais pas, ça veut pas dire comme une voix un peu bizarre, un peu stridente, un truc comme ça. On peut dire des conneries. Oui, vous pouvez continuer à dire des conneries dans le chat, c'est pas... Oui, il n'est pas affiché, ils ne verront pas vos conneries. Il y a seulement si vous parlez faire parler Chantal que ça s'entendra et que ça se verra. Oh là là, bah heureusement que vous voyez pas ça, hein, parce que franchement, il y en a qui se... Qui se laisse, hein. Qui se laisse tenter. Alors, ma petite tatou, excusez-moi pour ça, on va y arriver. Je te propose le prochain épisode, ça va être sympa de le mettre. Ce sera le Lord and Lady 17. Ça va être compliqué, ça. Si, c'était un instrument. C'est un instrument, d'accord. Mais je connaissais le xylophone, mais pas le xyloglotte. J'avoue que j'attendais le moment parfait. Xyloglotte. Ah, personne qui pratique la langue de bois. Très bien, eh bien, on aura appris quelque chose. Xyloglotte. Voilà, c'est fait. Oh, mais ils sont déchaînés aujourd'hui. Allez, on continue. Les Rainbow sont en train de dormir. Et maintenant, nous avons Lavande. Tiens, t'as mieux dormi, toi. Tu vas venir t'occuper de ta demi. Oh là là, oh là là, oh là là, ça y est. Donc, la dernière fois, on a eu la très très... surprise, je ne dirais pas si elle était bonne ou mauvaise, d'avoir des jumelles. Mais quoi? C'est quoi ton problème, toi? Et elles vont... Mais quoi? Bah c'est bon, bah arrête de gueuler, connasse. Pardon, excusez-moi pour cette violence. Cette violence intempestive envers les gosses. Mais bon, là... Il faut savoir que les jumeaux, ça me tend légèrement. Alors, heureusement que j'ai eu qu'une seule fois des triplés dans ma vie. Putain, mais ça re... Merde, j'ai... Ouais, bah en même temps, avec des jumelles, non, on va les faire travailler à la maison, t'as raison. C'est bon? Ils peuvent avoir une vie, vos parents, ou comment ça se passe, là?
Ah la vache. Alors, on va attendre de voir hein, les gamines qui qu'elles grandissent en tant que bambines pour savoir si on refait un gosse derrière, parce que savoir la couleur des yeux va être primordial dans mon choix décisif de refaire un enfant ou pas. Je préfère vous le dire. Est-ce que toi, tu travailles? Elle travaille. Je vais la laisser dormir un petit peu. Hein. La pauvre, elle a quand même mis bas. Hein. Ça... Alors, on est toujours au niveau 4. On n'est pas prêt d'avoir la promotion. Et puis, bah, on est pas prêt de gagner grand-chose. Hein. On est toujours au niveau 6 du champ. Éducation 5, en faisant rien. Et fitness 8. Donc, on est bien avancé en fitness quand même. Un garçon. Un garçon. On verra. Bon, bah, tu peux te lever. Ça réclame ton attention. J'en ai marre. Tu veux quoi? Ne vous inquiétez pas, je les aime mes Sims, mais quand ils sont bébés qui pleurent, c'est toujours plus compliqué. Je les aime quand ils arrêtent de gueuler. Des bonnes chipots au barbecue, qu'est-ce que tu racontes? Pas pratique pour certaines, la pratique langue de bois. Oui, c'est ça. Je sais pas ce qu'elle veut. Mais dis pas qu'elle veut bouffer, on vient de lui donner à bouffer dans la nuit. Après, Marianne dit que je fais que donner à bouffer à mes gosses, mais en fait, ils veulent que bouffer, les bébés, chez moi. Ils veulent pas autre chose. Bah ouais, c'est ça, elle voulait bouffer. Super. Bah voyez, ouais, moi je fais pas exprès, hein. J'ai pas rien si j'ai des gloutons. Que mes bébés, c'est des gloutons. Alors, Prune va avoir faim aussi. Super, ça va être sympa cette histoire. Et lui, il regarde la télé. Oh, un petit minou. Oh, un chien. Oh, le chien renverse la poubelle. Oh, le petit minou, il a faim. Oh, le petit minou, il vole de la bouffe. Ça, c'est Tyrion, ça. Oh, le chien, il se roule dans la boue, dans les ordures. C'est un chien. Du coup, j'ai pas entendu. Il sera dans quoi le mot? Lord and Lady numéro 17, mademoiselle. Vu que j'ai déjà fait le décade tout à l'heure. Et ça va être le jour de l'an. Super. Enfin, j'ai joué aux Sims. Et ben, je leur fais faire des bébés et direct des jumeaux. Sauf que moi, je croyais que j'avais un bug. Je les avais appelés pareil. Dupont et Dupont. Oh, punaise. Bah, ça, t'as pu les renommer après, quoi. Mais si, ça existe, et même les triplés, hein. Après, tu peux pas avoir plus, je pense. Ou alors tu triches, si tu en fais 4. Normalement, triplé, c'est max, hein. Est-ce que tu peux préparer... Ouvrir. Visage avec des larmes de joie. Je sais pas pourquoi, j'ai Chantal qui me dit ça dans la tête. Pourquoi pas. Salut, elle bouffera dès qu'elle sortira de son lit. Bah, d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Elle a des poivrons, j'avoue. Mais bon, les poivrons... Un prunette. La petite prunette. Sacré pyjama à la neige. Ah mais elle en a deux. Donc c'est elle qui choisit lequel des deux elle met. Hein. Moi je... C'est son truc. Alors tu vas aller chanter sous la douche. Vas-y. Tu vas te faire des saucisses Marie. Les fameuses saucisses. Franchement depuis Bordeaux ça a une autre signification pour moi les saucisses. Moi aussi je pourrais m'en faire. J'ai encore des saucisses dans mon frigo. C'est toujours des knackis mais... Pleurer, 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 pleurer. Atteindre le niveau 3 de la compétence robotique. Alors, mon petit. Atteindre le niveau 2 de la compétence programmation. Aller à suivre un cours d'ingénierie, s'entraîner à programmer. Bah, tu vas programmer vu que t'es sur le PC. Tu vas t'entraîner à programmer. Une fille des fraises et de la popette pour un garçon, des carottes et de alternatives. Je teste sur les 3 semestres et une fille et un garçon. Ah, bah oui, du coup, t'as eu un check. Ouais. C'est une bonne technique. Si Anana, nouveau, ça. Non, la même chose. Qui ça commence par un P et ça finit par un A. Ah, le mot interdit. Du coup, attendez, là, je ne sais plus. Comment il fait déjà? S'entraîner à programmer. Voilà, c'est ça que tu vas faire, mon coco. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est colère. Mais c'est là, ta bouffe. Oh, c'est pourri. Bah, c'est pas grave, tu le bouffes quand même. Ça suffit. Tu crois que j'ai le temps, moi, de te monter... c'est pas marqué room service, ici, hein. Pendant que maman, elle va chanter un peu. Hop. J'ai rebaissé le son du jeu, alors dites-moi si vous entendez bien ou pas. Je pense que oui, mais au cas où. On est né de la génération pêche et moche, pourtant les parents sont beaux, maman a été voir ailleurs, je pense. Ah, ça arrive. Pardon. Mais putain, qu'est-ce qu'elle a cette cosse de merde? T'as qu'à bouffer! Bouffe! Mais qu'est-ce qu'elle fout? Oui. Oui, d'accord, oui. Je
Tu vas bouffer, oui. Ah, c'est pas bon, hein, maman, papa, j'aime pas les trucs pourris, moi. Vas-y, il y a des ravioles, là, au jambon. Là, enfin, oh, des ravioles au jambon, n'importe quoi. Tiens, tiens, le chien. Oh, putain. Vous pouvez mettre le plat par terre. Vas-y, prends une portion. Surtout que je le mets là à ses pieds. Niveau 7 en chant. Mais qu'est-ce ici que la 7 gosse de merde? Tu vas bouffer, oui. Saloperie. Niveau 7 en chant pour Nunu. Elle veut écouter sa maman chanter. Ouais. Alors, par contre, elle est... Oh, elle est bien jolie. Hein, elle a un niveau 7 en chant, sauf qu'elle chante pas dans le temps. Excusez-moi. Je pense à ma miniature, quand même. Elle est en avance. Écoutez. Elle est en avance. Ah, t'as pas le tempo, hein. Oh, putain. J'avais pas vu. Le monstre à 8 pattes s'est réveillé. Mais vous voulez quoi? Bon sang. Ils ont encore faim, c'est pas possible. Oui, non, mais Mini, on n'a pas le temps. J'en sais que t'as une belle maison. Parce que j'ai rénové la maison de Mini, hein, son usine. Oh là 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 là. Je pense qu'il... Ah non, c'était que du social pour le coup. Bah écoute, moi je donne à bouffer, hein. Au moins, on sera pas venu pour rien. Si on peut faire un combo. Il y a aussi des étoiles autour de moi quand je chante. Ah ouais, moi aussi. Mais elles sont juste dans ma tête. Apaise-les et parle-leur ensuite. Merde, elle va au boulot. Reviens. C'est vrai que la dernière fois, elle était engrossée. Ah, tu peux pas travailler de chez toi? J'avais oublié. C'était pas une truc semi-active. Bon ben, bosse bien, Nunu. Pendant que papa, il s'entraîne à programmer, à mon avis, ça c'est bon, c'est fait. Suivre un cours d'ingénierie. Qu'est-ce qu'on fait? Suivre un cours d'ingénierie en allant dans une salle de cours à l'université. Ben, j'ai que ça à foutre, tiens, que d'aller à l'université. Alors, tu crois que... Hein? Assister à un cours de compétences. Oui? Est-ce que c'est comme ça? Et il y va tout seul? Pendant ce temps-là, les gosses, elles vont en garderie? Oh, elle chiale. Aïe, aïe, aïe. Robotique. Là, c'est ingénierie. T'as tout ce qu'il y a, la vache. Production de ménage, coutume des vampires, culture salvadoranienne. Ah, y a pas. Cette gosse, elle veut manger ses sœurs. Elle veut quoi? Elle veut manger ses sœurs. C'est ça. C'est une cannibale. Prune et cannibale. On n'a pas. C'est pas ça. C'est pas robotique. Suivre un cours d'ingénierie. Mais c'est trop bien en fait, je peux faire cours de chant. C'est pas interdit ça, on va gagner des trucs comme ça. Il y a aussi le sport. Parce que nous on s'en fout, on a de l'argent, hein. Si elle peut gagner des points comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On tente le cours, c'est ça ou pas du tout? Moi je sais pas. C'est sur l'ordinateur dans la carrière, on va aller voir ça. Oh tais-toi toi, gueuler. Alors, ingénieur. Non. C'est pas ça. Manger était bloqué. Manger était bloqué. Ah bon? C'est vrai que manger, c'est vachement hard comme mot. Il faut que tu ailles physiquement sur le camp. Ouais, bah, c'est ce que je pensais, Pauline. Mais sauf que là, ça va pas être possible. Hein. Bah écoute, mec, tant pis. Hein, tu vas bidouiller. Oh non, il y a une qui chiale. Mais j'en ai marre. Oh, c'est la couche. Elle va changer les couches parce qu'elle, elle va se faire la couche après. Alors, si vous vous demandez pourquoi c'est le monstre à 8 pattes, je vais changer la couche, même si elle est propre, c'est pas grave. Faut que vous voyez l'épisode d'avant. Bah, vous avez vu comme elles sont blanches quand même, elles sont vachement blanches, les filles. Alors que Prune, elle est quand même un petit peu plus bronzée. Ça y est, elle a trouvé à bouffer. Fini de manger. Ah bah, elle est finie, pardon. Ok, alors, tu as besoin d'aller pipi. Papa! Au lieu de regarder le tableau, tu peux prendre le pot à Prune, s'il te plaît, tant pis, hein, il aura... J'ai oublié, en fait, j'ai fait travailler à la maison alors que j'aurais dû...
J'aurais dû faire aller au travail comme ça, les gosses, ils auraient été tous à la garderie. Oh putain, et hop, il y en a encore une qui chiale. Et c'est la couche. Je l'avais dit. Mais au début, elle faisait ça en simultané. Maintenant, elles vont être en décalé. Donc en gros, ça va demander tous les jours. Casse-couille. Tiens, tu iras faire pipi. Là. Tu iras faire pipi après, tant pis. Il va se pisser dessus parce que c'est très long le pot. Donc. Surtout quand tu l'envoies que ça valide pas. Ah ouais, c'est vrai. Super. Quand je l'entends pleurer, j'ai l'impression d'entendre la mienne. Oh, bichette. Non, la tienne, elle pleure pas aussi avec un cri aussi énorme. On va pas se la faire enlever parce qu'elle a le cul qui gratte, non, quand même. Ah bah ça y est, voilà. La stéréo. Attendez, hein, je me mets bien au milieu. Comme ça, vous aurez la stéréo. Regardez, elles ont plus de corps. Voilà. Je vous laisse enjoy. Je les entends quand même, hein. Un pressentiment que Prune sera ma préférée. Elle est pas terrible en vrai. Hein. Oh, ça fait du bien. Les pauvres bichettes. Ça y est, il arrive, papa. Ça y est, papa, il arrive. Il a pas le temps de bosser. Il a même pas le temps d'enfiler autre chose que son pyjama. Et elle, elle veut quoi? Casse-burne, non? Mais pourquoi elle chiale alors qu'elle est verte maintenant? Oh, dis donc, passage du mono au stéréo. C'est ça. Il y a ça qui... il est absolument amoureux de cette toile. C'est bon, là? Tu vas te calmer, Changette? Tu te tais, Lila, ou je fais venir le Gremlins? Maintenant, c'est elle qui va plus. Qu'est-ce qu'elle veut? Gna gna gna, j'ai froid. Tout de même, elle peut pas te changer, non? C'est quoi ça? Traîner en pyjama, là. Et elle a encore faim et tout. On n'avait pas une... Je l'ai enlevé, la maison de poupée. Oh, putain, j'ai oublié la maison de poupée. Non, je mets jamais le j'ai jamais essayé le thermostat. Jamais, jamais, jamais. Donc non, il n'y a pas de chauffage. Oh, et c'est bon, hein. Tu crois que moi, mon chauffage, il vaut mieux que le leur? La maison de poupette. Où est-elle? Normalement, on en avait une. Je l'ai peut-être vendue. Je m'en souviens plus. Hein. Parce que, bon, vu tout le merdier qu'il y a dans l'inventaire de la famille. Il y a des choses qui appartenaient à ceux qui nous ont quittés déjà depuis un moment. Regardez le bureau jaune de Pulcott. Oh. Ah, il est là. T'en fais du bruit, Didier. Ça. Hop. Attendez. On va essayer d'arranger ça. Ouais, mon jeu rame un petit peu quand même, là, pour la... Oui, il a ramé cet après-midi. J'ai pas compris pourquoi. C'est bon, hein. Pourquoi il y a besoin d'avoir autant de carreaux? Ah là 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 là. Ok. Et des cubes. Des cubes. Alors pas le cube du futur, hein. Je l'ai pas trouvé. Les cubes. Les cubes. Est-ce que vous avez vous les cubes? Ils sont là, les cubes. Là. Allez hop. Emballer, c'est peser. Tu vas pas chialer, tu... Changer de tenue. Ah oui, bah tu viendras jouer la poupée et t'iras empiler les trucs après. Ça suffit. Maman, j'ai oublié de la faire travailler dur. C'est bon, elle le fait.
Papa, il continue à... Il m'énerve, lui. Il est obsédé avec sa toile. Tu veux te marier avec elle ou quoi? D'ailleurs, tu vas aller prendre ta douche pendant que tu y es. Comme ça, au moins, tu vas t'habiller. Ah, je vous jure. Alors, elle en est où au boulot, elle? Oh, excellent. Bravo. Tu sais que tu discutais avec les collègues. Et qu'est-ce que... Mais t'as besoin de retourner là pour changer de tenue? Oh, putain, elle est refatiguée. Non, mais tu me pètes les noix, en fait. Elle va faire ta sieste. Tu casses les burnes, en fait. Et prune, elle casse les prunes, hein. Regardez, lui aussi, il est en prune. Bon, tu vas faire pendant que les gosses sont calmes. Tu vas bidouiller. Voilà. Bidouillons, bidouillons, soyons... Chantons. Mais le c'est bien, sinon ils ont tout le temps froid sur le... Ouais, c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est des pixels, hein, ça va, ils ont pas vraiment froid. Hein. Je croyais qu'il y avait un chat derrière moi, mais... C'était peut-être un fantôme. A ghost! Pense à la lampe, monstre. Ouais, ouais, non, mais en général, oui. Hein, je me fais pas eu comme ça, hein, si facilement. C'est fini, cette histoire. C'est fini, l'histoire du monstre. Là, j'ai assez soupé avec le Decades. Hein. Franchement, c'est vraiment été le summum de j'en peux plus. Hein. Oh, elle est belle, la petite plante vache. Regardez, elle est pas encore... On va la faire travailler dur. Elle a rencontré Amélie. Bon, bah la voilà. Ouh, punaise, lui fait tout péter. Et toi, ça va, t'as pas trop froid en petite tenue comme ça? Ça va aller. Maman est rentrée. Maman est rentrée, elle va pouvoir faire à manger. Putain, c'est le bordel. On n'avait pas une femme de ménage qui était censée venir? J'en peux plus. Et les femmes de ménage, c'est... Hein? Attends. Acheter un service. Voilà, tu vas acheter un service, parce que là, ça suffit. Et tu vas servir le dîner... Alors, domestique régulier. Servir le dîner. Alors, pas l'haricot saucisse, hein. Bah, ça me fait pas envie, ton dîner, cocotte, là. Qu'est-ce que c'est... Y a rien qui me fait rêver. Une salade. Allez, une petite salade. Pour faire régime. Lundi à 10h, bon, on a le temps de tout saloper, hein, vu tout ce qui traîne là, qui pue. C'est magnifique. En plus, la petite là, dès qu'elle aura fini sa sieste, elle va pas tarder, elle viendra. Elle viendra manger de la salade. Puis elle retournera se coucher. Salut Bubu, comment tu vas? J'ai un ami informaticien, il a besoin de mes DVD des Sims 2. Ah bon? Tu sais où on trouve la veilleuse lune. Oh putain, la vache, j'ai eu du mal là. Je sais plus. Dans le truc de d'enfant en fait, de bambin, je crois. C'est dans la section bambin. Ça y est, j'ai Dex qui réclame à manger. Alors, il a récupéré 3 pièces de robot. Non mais on s'en fout que tu mettes la table, tu sais, on est des sagouins nous, hein. On s'en fout, on n'a pas besoin de... Voilà, alors. T'as même pas... Ok. Rebidouille. Ah ouais, 22h. Ah ouais, 22h. Ah, j'avoue, 22h. J'avoue, 22h. Bah, tu vas venir là. T'as un petit peu faim. Tu vas manger. Ah non, il y en a une qui pleure. Hop. Manger, manger. Manger, manger, manger. Manger, mangez-moi. Tu vas te parler un peu à ton bec, parce que bon... Là, ça va être le week-end, les enfants. Est-ce que vous pourrez vous marier, peut-être? Fais voir si tu travailles. Oh, je crois que j'ai le jeu qui plante. Wop, purée! Il a failli y avoir un crash. Il a failli y avoir un crash. Tu travailles ce week-end. Oh, putain, j'ai eu peur. Va falloir poser un jour... On peut avoir un chat, s'il te plaît. Wow, quand même. Ils vont être vachement intéressés sur YouTube de voir les chats. Ah, Loulou, tu veux venir? Doudou. Sauvegarde. Ouais. Allez. Après, c'est pas... j'ai pas vraiment tant avancé que ça, hein, mais... Save. Save. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh, punaise. C'est long. Voilà.
Mais vous voyez, j'ai des ralentissements, ça faisait longtemps. J'en ai eu cet après-midi, je l'ai redémarré, et ça me le refait, je sais pas d'où ça vient. J'ai les deux gamines qui pleurent, maintenant je vais fermer YouTube là, le truc. Enfin YouTube. Bon, ça suffit, allez, va t'occuper de tes gosses là, ça, sinon on va... Ouf. Sinon on va les perdre toutes les deux, tu vas les nourrir, allez hop. C'est parti. Moi je les connais, c'est des morphales. Tu viens de nous ? Ah, je peux le toucher, mais... De là à le montrer, vous savez qu'il aime pas. Hein. Mais dans le jeu... On peut avoir un chat... Ah, un chat dans le jeu ! C'est chiant. J'aime bien, hein, mais ça demande trop d'attention. Enfin, vraiment, les Sims, ils ont à peine le temps. On en parle que les baskets, elles vont pas du tout avec la tenue. J'ai des baskets vertes et grises pour une tenue rouge. Il y a un truc qui va pas. Eh, hey, taisez-vous! Con de Sims. Mon bébé! Retour du stéréo. Retour du stéréo, c'est exactement ça. Oh non, mais quoi? C'est lavande, ça. Lila. Ah, la couche sale. Tu peux pas l'avoir maintenant, la couche sale, toi? S'il te plaît. Et ben voilà. Ah oui, ça fait plaise. Ça fait plaise. Toi, arrête de danser. Tu viens ici. Vous allez faire un petit crac-crac. Voilà. Hein, parce que elle a besoin de... remonter son... son enjaillement à la vie. Et tu veux voir mon gros concombre? Oh non, mais moi je mange que de la saucisse, chérie. Allez hop. Crac crac. Tu veux aller la goûter, ma saucisse? Rue aux soldats. Comment vous faites parler le truc là? Je vous laisse vous l'expliquer, s'il vous plaît, dans le chat. SVP, mes petits. C'est Chantal qui parle. C'est pour ça. C'est pas un truc, c'est Chantal. Alors, comment tu manques de respect? C'est Chantal. Ah, Mamoun. Je pense que je vais faire une pause pour donner à manger à mon chat. Hein, je vous le dis direct. Ce sera coupé dans la rediff. Je regardais si j'avais bien lancé l'enregistrement parce que je savais plus. Oh oh oh! Hey, elles sont nées à quelle heure, elles, déjà? Oh non, sérieux. Tant qu'elle se tait, moi ça me va. Alors, nous revoilà. Ils ont fait un gros crac-crac. Lequel est le moins fatigué? Bon ben... Nunu! Nunu! Va voir ce qu'elle veut! Casse les couilles! Ah bah c'est... Oh bah... Quelle poésie! Quelle poésie! C'est bon là! Va se calmer! C'était comment? C'était agréable. C'était pas spectaculaire. C'était agréable. Bon allez. Tire à te coucher. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais... Mais... Bah tout va bien, écoutez. Elle se met à jouer au ballon devant ses filles. L'autre jour, qu'est-ce qu'elle a fait la dernière fois? Elle était enceinte jusque-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, je vais me battre avec un ado qui passait dans le quartier. Et bah c'est ça, quand vous skippez les vidéos toutes les 10 secondes, il y a des choses que vous ne voyez pas. Tu m'apprends quelque chose. Ah ouais, mais douche, pour nous, c'est un mot commun, c'est... voilà. Et alors, en anglais, c'est une insulte. Voilà. Sexy lady, la nuage. Eh ouais, écoute, il faut bien séduire ce qu'il faut séduire. Hein. Donner à être séduisante pour son homme. Du coup, j'ai envie de les marier, là. Est-ce qu'on les marie? On est samedi, je vais les marier. C'est-à-dire qu'il y a aussi les morveuses, là, qu'il faudra emmener. J'ai pas fait de lieu de mariage, moi, dans notre Sauberie. Ah, c'est chiant, parce que sinon j'aimerais inviter la familia et tout, mais là, faire un vrai mariage, tu vois. Je pense pas que j'ai un lieu de mariage, c'est pas grave, on va installer ça, c'est pas un souci. Je récupère gentiment, j'espère. Oui, bah oui, c'est vrai qu'Alexa, elle a pas eu un mariage. Ouais, oui, un mariage, mais ça veut dire que je vais les faire prendre... Bah t'es debout, toi?
fout dehors, cette débile! C'est l'anniversaire de Lavande! C'est l'anniversaire de Lila, que le temps peut passer vite. Alors moi, moi j'attends qu'ils grandissent d'eux-mêmes quand ils sont bébés. Hein. Je n'avance pas le temps. Dans la shower. Dans la shower, c'est ça. La shower. Oui? Pourquoi tu vas jouer? En plus, elle est fatiguée. J'en peux plus de cette gosse. Alors ça, c'est pourri. Oh là là, 3 heures. Eh, viens ici. Tu vas me prendre la salade. Dépêche-toi. Je croyais qu'elle dormait, moi, cette saleté. Oh, puis il y en a une autre qui se réveillait. Allez. Clac. Je mets ça. Je save. Putain, elle peut pas aller au pot. Mais c'est... pourquoi il y a un truc de bouffe, là? Ah bah, elle se fait dessus. Oh, et sois pas vénère, hein. C'est toi qui es pas parti de coucher, hein. Oh, je vous jure, j'en peux plus des gosses, moi. Oh, puis ça... Et la stéréo s'est remise en marche. La stéréo est remise en marche, les enfants. Allez, c'est papa qui s'y colle cette fois-ci. Oh, c'est pas vrai. Donc du coup, désolé, j'ai zappé un truc. Merci Enzo pour le follow et bienvenue à toi. Oh, putain. Mais tu t'appelles pas Bella? Marie-me Bella, je te dis oui direct, Robert. Robert. C'est le réveillon? On va vous shooter dans le mur, Pouloulou. Qu'est-ce qu'il a? Il est choqué. Et retourne te coucher, t'es fatigué. Est-ce que tu bosses, toi? Non, il bosse pas. Enfin, il est censé avoir son truc, là, mais... Y'a que maintenant que tu te couches, toi, 6h30 du matin. Tu t'es dit, c'est le bon timing pour... pas me coucher, me casser les pieds, là. Mes oreilles. Bah, désolé, hein... On va shooter dans le mur. Du coup, elle va prendre un jour de... Putain, mais sérieux? Ah oui, mais vous avez vu que j'avais eu des jumeaux, mais dans les autres épisodes... C'était des épisodes où je coupais, hein, la plupart du temps, quand je me prenais... Vous me voyez pas quand je m'énervais. Oh, attends, laisse-la dormir, ta mère. Commande. Oh là là, la stéréo! La maman d'Adonis soit gentille avec lui. Je suis gentille avec lui. Mais pour l'instant, ses gènes de yeux bleus n'ont pas fonctionné. Oh, non. Tu vas t'occuper de ce machin-là aussi. Putain, mais elle veut les... C'est les premiers gosses qu'ils ont besoin. Mais qu'est-ce que t'as un... Quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Danser. Non, mais vas-y, tu te calmes. Tu vas chanter sous la douche. Après, t'iras manger. Et c'est reparti pour un tour, allez! Vas-y, papa. Non, mais c'est bon, là. Oui, madame J, c'était bon. J'ai fini aujourd'hui, ce midi. Putain, mais sérieux? Mais ça s'arrête jamais? Vas-y, fous-leur le... Nourris-les. Oh bah, non, mais elle a juste chialé pour casser les couilles, en fait. Oh oh si, est-ce la chenille qui redémarre? C'est la chenille qui redémarre. N'importe quoi. Tant que c'est pas le train, moi, ça me va. Il y a des assiettes dégueulasses partout. Oh là là, je dois faire un pipi. Oh là là, c'est difficile la vie. Mouh, t'as qu'à faire un nœud. Ça sortira pas. Peut-être à bouffer. Oh putain, mais c'est pas vrai! Pourquoi tu t'es endormi pour revenir gueuler, toi, connasse? Vas-y. Oh, vu moi qu'elles grandissent, là, j'en ai marre. C'est pas à midi et demi qu'elles ont grandi? Qu'elles sont nées? Je sais plus. Je perds la mémoire. T'es en pleine forme, ma cocotte? Il est 11h30 du matin. T'as le machin là qui dort encore. Qu'est-ce qu'elle a? Danse. Non mais c'est bon là, l'obsession pour la danse, ça va suffire 5 minutes. Hein. Moi, je vous le dis, hein, on va éteindre. Hein, comme ça, ils danseront plus. Le train est reparti. Non, y a pas de train. Y a pas le train. Tu vas venir chanter en solo nuit. Oh oui, c'est vrai qu'en plus, ça marche nickel pour le réveillon. On va aller se marier.
Je sais plus, qu'est-ce que... Ses tenues, est-ce que je vais changer sa tenue? Mais je pense que oui, mais je m'en souviens. Oui, je lui ai mis celle-là. Ok, pour se marier, c'est bien. C'est... Ah, il pense à Quasimodo. Mais bordel, vous allez arrêter! Mais c'est pas vrai! Non, mais c'est bon! Elle est pas assez longue pour faire un nœud. Ah, c'est ça? Oh, la pauvre petite nuage. Non, mais Minnie, on n'a pas le temps, là! C'est le bordel! On va s'aimer. Sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un ou dans un vieux grenier. Au fond d'un? Au fond d'un quoi? Oh, Gilbert! Oh, j'ai eu peur sur Twitter, il était en tendance hein, il y a quelques temps là. J'ai eu peur qu'il soit décédé. J'ai fait, oh mon dieu. Oh, Gigi. Alors que je venais de chanter sa chanson encore une fois sur. Sur en live. J'étais tristesse. Salut, heureux Bothilde. Tant mieux. Elle avait besoin d'attention. Ouais, mais ça casse les couilles. Attache tes mains à ma taille. Non, je les fais pas grandir moi-même. C'est elle qui décide de grandir. C'est pas moi qui décide à leur place. D'ailleurs, tu vas prendre un jour de congé, la cocotte. Et c'est férié ! Oh, quel bonheur ! C'est férié, en fait ! J'ai pas besoin de lui faire prendre un... Oh, c'est trop bien. Vas-y, plus chaud que jamais. Et ous, week-end festif. Toi, tu fais bien de rester là-haut parce qu'il faut que tu t'occupes des malades. Attends, il y en a une qui est réveillée. Elle sourit. Pour l'instant. Vas-y, va lui parler. Il est 13h30 là. Vous n'allez pas grandir ? Il est content. Oh, j'ai fait un bidet. J'ai mon petit jet entre les fesses. Moi je suis content. Oh, direct! Il a senti venir les cris. C'est magnifique. Attends, t'es sûr? Parce que elle s'est calmée? Vas-y, tu vas lui parler. Tu vas lui faire une grimace. Tu vas lui parler, tu vas lui faire une grimace. Mmh. Faire de fonctionner. Écoutez, on va s'occuper de celle-ci. Elle a faim. Elle a faim, poil au sein. Oh, c'est dégueulasse ici. Il y a un problème ou quoi avec mon jeu là? Il y a tout qui écrase de partout. En même temps, il y en a zéro femme de ménage qui est venue. Tu vas prendre le jambon. Tu vas en donner une portion pour prune. Oh putain, il est pourri le jambon. On va pas prendre de jambon. Oh, c'est pas vrai. Bah, elle est là, la salade. Tu vas prendre pour prune. Allez. Mais quoi? J'allais dire, non, la salade, elle est faite. Ça va, elle est fraîche, la salade. Faut commencer, non? Commencez pas à me stresser. Ouais, tu peux rechanter du coup. Hein. Non, à chaque fois je fais excuse sur les mêmes. Solo, jazz, au shaker, pas à la cuillère. À tour, cuillère. Carrément méchant, jamais content, c'est une chanson à un sous-champ. Ah bon? Je connais pas. J'ai cru qu'elle chantait YMCA. Pourquoi pas? Zabarain. Yes. Ça va mieux quand ils savent chanter quand même. Pandi panda, petit ourson de Chine. Pandi panda, né dans l'Himalaya. Pandi panda, tu ne seras pas une victime. Panda. Panda. Ah, ça y est, c'est reparti. Pour les bits. Test, test, 1, 2, 1, 2. Oh, Bubu! Merci, Bubu! Mais attention, si tu veux juste jouer avec Chantal, mais seulement un, hein, parce que tu vas te ruiner là, 100, c'est quand même beaucoup, mais merci beaucoup. Gros bisous. Waouh! Waouh! Quelle voix, quel organe! Elle est à combien? En chant, elle est à 7. Ok, elle est pas levée, là. Il est en train d'attendre avec son assiette, j'en peux plus. Vas-y, tu vas te lever. Tu vas bouffer. Il faudra qu'elle aille aux toilettes et tout. Non, mais ça va être un calvaire.
Je le sens que ça va être un calvaire. Hé, hey, mange! Petit déj au lit, là. Qu'est-ce que tu te plains? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Mais elle, c'est quoi son problème à cette fucking gosse de mes putain de couilles de merde? Tu as bouffé, oui, sale merde! Mérigor. D'accord, Mérigor. J'aurais dû mettre ça comme chanson. C'est bonjour la bizarritude. Ils vont jamais se marier, il est 16h. Bon, elle se chira dessus, hein, comme Ed Sheeran. Pardon. Allez, tu vas me faire un petit pipi. Toi, bah écoute, t'es nickel. Tant pis, ils vont aller se marier. Pauvre prunette, pourquoi tant de haine? Parce qu'elle est moche! Ta gueule! Tu es moche! C'est pour lui-même, hein, je n'insulte personne, évidemment, mais... Elle est pas très jolie. Mais non, mais sérieux. Et jumelle, elle veut pas grandir. Oh, est-ce qu'on va vraiment faire un mariage digne de ce nom ailleurs? Moi, je pense qu'on va faire un mariage à l'arrache à la baraque, hein, comme d'habitude. Hein. Non, vous voulez quoi? Est-ce qu'on fait un mariage à la maison? Pas à l'arrache, je vais faire une petite arche et tout, mais bon, voilà. Parce qu'on a quand même des enfants, hein, en bas âge. Ou est-ce qu'on fait un mariage dans un lieu que je n'ai pas encore installé? On n'est pas dégueu faisant un beau mariga. Un beau mariga. Ouais. Bon, allez. Il faut un lieu, en fait. Je vais faire... Bon, on s'en fout. On va faire ça où on peut. Allez, on va organiser un mariage. It's a day today. What's a day today? It's a wedding day today. Ça va, Loulou? Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Qu'est-ce qu'elle crie sur son écran qui bouge, là, hein? Elle est tout le temps dessus, elle est relou, hein, à mon cœur. Il attend la deuxième partie, lui, hein, je le sais. Je le connais, mon fils. C'est vrai que c'est... Sachant que c'est férié... Alors, on va sûrement pas prendre Grey, hein, qui est notre ex. On va prendre Ducan, Meriadoc, Ouragan, allez, Grisou. Alexandre Martinez, mais c'est qui, ça? Pourquoi on le connaît aussi bien? Perle, nuage, perle et nuage. Perle et mini, évidemment. On a notre cher Quentin. On a Marina, qui je ne sais plus qui c'est, mais... Ah si, c'est la fille de Perle, je crois. Qui a grandi. Et c'est tout. Oui. Et prune, allez, on va prendre prune avec. On va prendre un traiteur. Genre, non, Perle... Perle, t'es pas assez expérimenté. Hein. Si on prend tout. Où va-t-on? J'ai pas installé de lieu ici. Hein. C'est quoi ça? Musée? Ah, mais y a pas d'endroit pour se marier là! Ah, si. En garde! Espèce de vieille paix! Dégarnie! Les vieilles de pété! si, j'avais mis ma petite église! Oh, bah finalement, on va aller se marier à l'église alors! Ta gueule, tu es moche. Il fait pas... La nulle du chat demande qu'est-ce qu'on voit. Où est-ce qu'on voit combien on a de bits? Normalement, c'est en cliquant sur le losange, justement, à Bubu. Je crois, hein. Ma génération de l'année, c'est tout ceci, du Seigneur des Anneaux. Ouais, pareil. C'est moi. Tout. Tiens, ma bébé. Tiens, ma moune. Tu continues de manger, mon grand. J'arrive. I am there. Zerator. C'est pas un concombre, c'est une aubergine. Alors, c'est parce que c'est pour les bits. Nous voilà. Oh. What?
Bah écoutez, c'est au choix, hein, mais c'était pas la tenue que je lui ai mis à nuage, hein. Bah, elle est grise quand même. La vente des lilas, t'as mis à la garderie. Tant mieux. Regardez. Alors, ça, c'est la fille de Perle. Avec des yeux marrons de merde. Très intéressant. Alors, nous sommes... on va aller tous, là. On va se réchauffer ici. Hein. Faire du vélo, ici. Tout à fait, René. Quelle belle robe, madame la marquise. J'avoue. Vous allez tous venir là, hein, quand même. Courir ici. Ouais, parce que ce sera... Là, y a des bougies. Hein. Ce sera un peu plus sympathique. La petite aussi. Hop. Alors, la petite, je lui ai pas changé sa tenue. Hein, donc, elle a pas la tenue violette. Hein. Qu'est-ce que tu... Mais tu vas pas faire du vélo? Wesh, un abonnement YouTube! Merci, Elia, de ton abonnement. Qui c'est, ça? Ah, c'est Ouragan. Ok, t'es pas dégueulasse, quand même. Hein. Point 5. Point 5? Ah oui, d'accord, un cheer point 5. Ah bah j'avais des... C'est Mini. Putain, je l'aurais pas reconnu. Mini, je lui avais mis cette robe là. Ok, bon bah tant pis alors. On va laisser sa robe à... Tu vas appeler tes sœurs? Oh non. C'est pas bien de faire ça les Sims. Ils sont là. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mis à ce... Ouais. Pourquoi j'ai mis là moi? Oh! C'est des maisons que j'ai faites. Pourquoi elles sont là? Je me souviens plus. J'ai dû les mettre il y a longtemps. Bon, on va changer quand même parce que j'avais mis des tenues qui étaient pas comme ça. Elle a une très belle robe. Hein. Bon, elle fait partie de Lord and Lady. Et la vidéo des CC est enfin disponible. Vous pouvez aller la regarder. Hein. Mais tu vas changer de ta tenue? Parce que je pensais pas que c'était une... Toi aussi, tu vas changer de ta tenue. Ah, même. Changer de tenue. On va changer de tenue. Regardez comme ils sont beaux! La 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 la! Ils sont beaux comme des camions! Alors, vu qu'on n'a pas d'objectif, on fait ce qu'on veut. Voilà. Mais assis-toi pas! Ah, voilà la musicienne! Vous pouvez venir, s'il vous plaît, là, au lieu de rester là comme des idiots? Non, mais on s'emmerde à faire un mariage! Oh, ils sont amoureux! T'es qui toi? Supa et chumo yube yube. Est-ce que tu as... On peut t'appeler? Toujours pas. La musculature de Mini, année 1. Tranquille, Emile. Hein. Oh, ça joue de l'instrument. Magnifique. On va essayer d'attendre... Draguer. Ouais, vas-y. Vas-y, drague-le. Et complimenter l'apparence. Tu es beau, mon chéri. Oui, je sais, toi aussi, tu es belle. Oh là là, ils sont brûlants. Niveau 3 de charisme. Vous pouvez venir, là? Toujours pas? Vous savez pas bouger votre... Tant pis, on va les marier. Hein. Moi, je... Oh, la petite, elle pue. Allez, tant pis, c'est pas grave. On va se marier avec le nuage. On est parti, mon zizi. Toi, tu peux t'asseoir là. Voilà, c'est bien. Tu mets moi au premier rang, même si t'es la fille. Et on va assister enfin au mariage. Mini, ouais, ouais, je sais. Oh, bah, c'était un peu ma préf, hein, mais bon. Le sort a fait que... Qu'est-ce qui se passe? Ah bah elle est là, Mini. Elle est arrivée. Elle a piqué la robe de mariée de sa sœur. Arrêtez, vous pouvez vous marier, là, vous me gagnez les pieds, vous faites toujours ce qu'il faut pas. J'en ai marre de vous, mais vous allez vous marier, oui, bande de Sims. Oui, bah, coucou, allez. Arrête de parler à ta belle-sœur! Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Non, tu vas pas aller emmerder ton père. Ouh, alors tu peux aller demander de l'attention à ta tati. Plus de choix, amical, montrer le jouet. Ouais, voilà, comme ça, tu vas être contente. Ça y est. Cette fois-ci, ils ne sont pas vieux croutons. Ou
Ouais, je sais, pour le groupe, mais là, ils étaient pas en groupe, je sais pas pourquoi. Oh oui! Bon, y avait pas beaucoup de robes qui étaient grises un peu. Salut Maki! Qu'est-ce que j'ai raté? Bah, regarde, à ton avis. Elle a un body goal quand même, cette fille. Yes! Quel beau diamant! Quelle belle galoche! Il était parti se poser. Ouais, c'est ça! Il est beau gosse, mais peut-être qu'il est pas très fut, hein. Bah voilà, c'est tout. Bah écoutez, ils ont... Ah si, ça va, ils étaient quand même... ils ont fini par rentrer, hein. Parce que bon, je commence à me poser des questions. Vas-y, tu vas montrer le jouet à perles maintenant. Voilà, quelle magnifique cérémonie. Maintenant, oui, ils habitent déjà ensemble, en fait. Donc tu vas quand même lui rouler une grosse galoche, hein. C'est quand même maintenant... ta femme. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Excusez-moi. À finir dans le lit. Évidemment. C'est beau la mouillure. La mouillure, ouais, la mouillure, c'est... Voilà. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il... Mixologue. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris un mixologue alors qu'il n'y a pas de... Il est où mon gâteau? C'est de la merde. Ne téléchargez pas ce terrain, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas devoir faire ton propre gâteau? Ouais. I think so. On a pris un traiteur qui ne. Si, est-il amour à la plage, à haut, cha-cha-cha. Tout à fait. Le traiteur n'est pas là. On a le musicien, on a le mixologue, mais pas le traiteur. Ah si, attendez, non, ça, bah non. Je ne sais pas qui est le traiteur. En tout cas, il s'est barré. Tu peux parler à tes belles-sœurs, hein. Ça y est, hein, mais remercier d'être là. Remercier d'être là. Présentation amusante. Remercier d'être là. Sans être un mariage, sans être la... Le traiteur n'est jamais là. Ils arrivent toujours 2 heures après. Et elle est en train de nous faire... Encore un incompétent, non mais c'est pas possible. Moi, les traiteurs, c'est toujours le bordel, hein. Alors, on va faire notre gâteau, hein, parce qu'ils sont pas foutus de le faire pour nous. Et c'est quoi, ça? Raphaël Williams. Là, vous imaginez, le jour de votre mariage, vous faites vous-même le gâteau au dernier moment, parce que, bah, en fait, voilà. C'est super. Je l'ai mis sur mon déquête, c'est intéressant, c'est toutes mes tombes, là, je fais tous mes mages aussi. Ah ouais, moi, les tombes, j'aurais dû le faire, mais je vais le faire pour le Lord and Lady, du coup, je l'ai fait exprès. J'ai mis plein de place pour qu'on puisse foutre tous les morts. Ok, allez, décoration de mariage. Non, 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 mais... Merde, c'était pas sur le bon Sims. Forcément, j'allais pas réussir. Non, non, t'occupes pas des autres. Prends une portion pour prune. Coupier la pièce montée. Allez. Tout ça pour ça. Regardez, tout dégueulasse. Ah, tais-toi. Viens bouffer du gâtal. L'esprit de Pulco est en train de disparaître. Ah, Pulcote! Et j'ai raté le meilleur moment. Plus il s'était mis à un endroit sympa et tout. Voilà! C'est tout! C'était un mariage très très intéressant où tout le monde en avait rien à foutre. Le traiteur n'est jamais arrivé. Elle est dégueulasse. En même temps, d'habitude, c'est les mariés qui se pissent dessus chez moi, donc... Ah bah ça y est, elle gambade, elle. Au nombre d'eau. 4 jours, elle va grandir.
Mais c'est bon. Voilà, regardez-moi cette plâtrée de profiteur. En fait, comme ça, Minnie, elle est pas super belle. Hein. Elle est bizarre, elle est peut-être bizarre un peu. Non? Brodo! J'avais pas compris ça, Brodo, moi. Ok, bébé. Le mariage pourri, tu te tapes à faire la bouffe en pleine tête. Ouais, c'est ça, c'est comme d'hab, quoi, de toute façon. Et il y a même. Les feux d'artifice n'ont même pas fonctionné non plus, hein, je tiens à le dire, hein, donc. Quand même, je me suis emmerdée à mettre les feux d'artifice. C'est pour qu'on puisse en profiter. Voilà. Regardez. On est où ici en fait? Je sais plus. C'est Newcrest là? Non, je suis pas Newcrest. Je sais pas où je suis. Ça, tout le monde sait qu'on s'est marié. Oh putain, ça va être à minuit, ça va être la bonne année! Alors, attends, tu vas prendre une résolution. Il reste une minute. Prends une résolution, ma petite. Améliore une compétence. Allez. Parce que ça, c'est sûr qu'elle le fera. Donc, toi aussi, prends une résolution. Obtenir une promotion. Voilà. Ça va... Ah oui, c'est jusqu'à 2h du matin. Voilà, youhou, c'est super la vie. Que c'est beau. Waouh. Spinoclum. Et ouais, non. Bah oui, ta fille elle pue. Bah c'est comme ça. Bon, on va se rentrer. Nous sommes au mois de janvier. On va mettre fin au mariage. Quand même. Et on va vite rentrer parce qu'il faut que les gamines elles grandissent. Parce qu'en ce temps-là, elles grandissent pas quoi. Et ce serait un peu dommage. Et merci Marielle pour le follow et bienvenue à Watt. Effectivement, j'avais bien mis Newcrest. Nous étions ici. D'accord, ok, très bien. J'étais pas sûre. Et on rentre voir les jumelles. Voir si elles ont des yeux. Beaux yeux ou pas. Si c'est des yeux marrons, je les tue en fait. Voilà. Je les garderai pas. Et on en refera. Très beau mariage. Oui, bah, pas vraiment. Non, c'était un peu loupé, mais bon, ça va. Ils sont mariés, ils sont pas vieux, parce que je les ai quasiment tous mariés très vieux, les autres. Ils s'étaient demandé que pour la rouge, mais moi j'ai fait pour la menthe, la rouge et la jaune. Je les ai mariés vieux, donc pour cette fois-ci, ils sont jeunes. Ils ont déjà des enfants, mais ils sont jeunes. C'est beau. C'est glauque ce bébé. C'est une araignée à 8 pattes. Ça va toutou ? Un petit peu long. Et nous voilà rentrées. Attention. Elles sont rentrées de la garderie. Et est-ce qu'elles vont popper ? En tout cas, elle va... Et le premier Quentin a les yeux marrons. Le premier compte ? Premier Quentin a les yeux marrons. Non mais après... c'est normal dans la vie. Ils vivent dans le péché, t'es Sims. Oui. Allez, vous allez niquer. Ah, direct. Clac, on rentre à la maison, on nique. Elle a plus de seins que de fesses. À quel point c'est... Quoi? What? Pourquoi? Pourquoi il y avait cette pile de trucs? Putain, mais c'est toujours aussi dégueulasse. En fait, c'est toute la vaisselle qui traînait partout dans la maison était là. Pourquoi là? On sait pas. Pourquoi pas, après tout. Ah, bah, il doit pisser, lui. Tant qu'il ne pisse pas à l'intérieur. Ah bah non, il y a encore un truc là. Bon, bah, tant pis. Ça puera dans la chambre. Oh, putain. Vous allez finir par grandir ou quoi? Parce que là, je vous aurais supporté tout le live, là. Ça commence à me gonfler légèrement, en fait. Il faut bien faire la lune de miel. Bah oui, normalement, il devrait partir en voyage et laisser les gamins là, mais bon...
Ils sont occupés, tes parents. Ils te font un petit frère. C'est pas vrai. Elle va pisser. Allez, casser. Tu veux quoi, Lila? Oh là là. Qui a laissé la stéréo allumée? Je suis sûre qu'elles ont faim. C'est des estomacs sur pattes. Hein. Mais elles ont 8 pattes. Et voilà, ça va mieux. Hein. T'arrêtes de hurler, on va te donner à bouffer. Cassez-vous, non? Va te coucher, t'as raison, mon chou. Va te reposer. Coupez la radio. Ah, c'est bon, la radio est coupée. Enfin, pour quelques secondes. Ah, 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 ça y est, ça pop. Oh là là, je croise les doigts. Oh putain, il y a une blonde. Elle a les yeux fermés. Attendez. C'est... Ça, c'est Lila. Je... Oh, elles ont pas les yeux marrons. Oh, la malédiction est enfin levée. Oh putain. Oui. Regardez. Vous allez voir. Elle est en l'air. Bon. J'ai vu ses yeux. J'ai vu vos yeux. Moi, je vais prendre une photo, ça me fait trop rire. Pourquoi t'es blonde? Regardez les yeux. Les yeux de papa. Ah oui. La meilleure nouvelle de la journée. Regardez. Oh, elle est belle. Oh, tu es belle, Lila. Lila, tu es ma préférée. Regardez-moi ces beaux yeux. Ces beaux yeux de l'amour. Regardez comme ils sont au bleu vert. Comme ils sont au beau. Ils sont beaux. 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 Bravo, Adonis, il a géré avec l'ingénieur. Pardon. C'est bon, on n'en refera pas d'autres. Hein. Regardez ces beaux yeux. Pas d'autres bébés. Non, pas d'autres bébés. Regardez ses yeux. Ses yeux. Les yeux. Péter un câble, moi. Non. Oh. Yes. 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 Rip mes yeux marrons. Moi aussi, ils sont marrons. C'est pour ça que j'aime pas. Mais bon. Oui. Qu'est-ce qu'on met à Lila? Mais pourquoi c'est Lila qui a vieilli en premier alors qu'elle est arrivée en deuxième? On m'explique ou pas? Qu'est-ce qu'on lui met? On lui met un random ou on lui choisit un truc? Salut Biggie Migo, tu vas? Bah ouais, elles sont belles, elles ont les beaux yeux qu'il faut. Oh, quel bonheur! Merci Adonis. Tu seras arrivé dans notre rainbow, dans notre Sauberry, mais pas du tout par hasard. Tu auras servi la cause. Plus jamais je veux des yeux marrons dans cette lignée, c'est fini. Hein. J'en ai soupé. Hein. Donc je vous annonce que ce sera pas Prune déjà, l'héritière, c'est sûr. Ce sera l'une des jumelles, voilà, et on choisira la plus jolie, j'imagine. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'on verra comment on les départage, si c'est un vote la classique ou pas. De toute façon, moi Prune, elle sera pas dans le vote. Voilà, comme ça c'est fait. Ah mince, comment ça se fait que ça va pas? En random? Allez, en random. On fait un. 1, 2, 3, je vois pas. 3. Oh bah, c'est quoi ça? Espiègle, super. Oh, ils sont trop choux qui bêtent! Et 1, 2, 3. Indépendante. J'aime ça. Pourquoi elle est blonde? Pourquoi t'es blonde? Ah, est-ce que tu dois avoir les cheveux gris? PFFFF, pauvre Prune, du coup, je l'aimais encore plus. Ah, elle a les yeux marrons. Oui, la viande a vieilli, je suis au courant. Alors, ça va me le faire 3-4 fois. Hein. Pourquoi dès que je m'épose, t'as une position chelou Alors, je suis sûre, les filles, à la fin, tu vas déambuler, déambuler et déambuler. Tu vas déambuler, déambuler et déambuler. Voilà! Bah du coup, vous savez quoi, je mettrai la chambre des jumelles là, parce que bon, quand même, elles ont une grande chambre, et puis comme elles sont deux, tu vas pas réveiller tes parents, hein. Ça... Oui. Oui. Hop. Oui, je sais que la vente a vieilli, merci. C'est gentil. Elle a l'air vénère, ouais, elle est vénère. Mais j'ai faim! Mon corps est en pleine croissance!
Il me faut de l'eau. Vous avez bouffé de la salade, ouais, la place. Hop, les chiens. Venez bouffer. Venez bouffer dans la gamelle. J'espère qu'il reste assez. Il en reste deux, nickel. Hop. Ouais, c'est le printemps. Et c'est la soirée Netflix ce soir. Très bien. Bon, on va faire la journée du dimanche. Et ce sera très bien. Faudra que j'installe... C'est Adonis qui ronfle. Mais écoutez, on va faire tout de suite la chambre des Juju. Des jumelles. C'est pas grave, ça. Mais, d'accord. Ça m'avait refait le coup de... Je mets plein de... On va tout vendre, on s'en fout. Je mets plein de persos, quoi. On va supprimer ça. Ça, on va laisser... Le placard, on va... Bon, c'est chier que je voulais faire depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Le placard, on va le laisser. Ça, on va le laisser. Il me faut juste les lits comme ça. Voilà. Comment je vais les... Alors ça, c'était un projet scolaire que Pulcote a fait, hein, donc je le mets dans l'inventaire. Ça, on a de la place, les petites, hein. Ah bah, attendez, je vais peut-être faire comme ça. Ça, il y en aurait une là. C'est un peu sombre hein, pour des petites filles. Ah, moi je suis refaite là. Elles ont les yeux de que je voulais. J'ai pas choisi Adonis pour rien non plus. Hein. Il avait un beau physique et des très beaux yeux. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire. Allez, on va mettre ça en rose. Par contre, si tu pouvais faire de la lumière en fait, ce serait cool. Est-ce que le papier peint, je vais peut-être le changer pour le coup. Il est où? Mais je pense pas qu'ils soient en violet. Non. Des petites fleurs violettes. Allez, pour le kitsch. Pour le kitsch, nous y allons gaiement. Le petit tapis. Mon mec m'a quitté hier. Je suis d'ailleurs en retard car... Ah oh mince, bah écoute... que dire? C'est complexe. Je peux pas dire grand chose. Je suis désolée. En même temps, même si je suis désolée, est-ce que je suis vraiment désolée? Tu parles à une fille qui n'a pas de relation, qui n'en aura plus, qui n'en aura jamais eu. Donc, je te dirais, c'est pas grave. Mais bon, je suis désolée quand même, tu vois. On va mettre un bon tapis là. Un bon petit tapis pour qu'elles aient. Pas trop près de la cheminée. Bon, il y a un petit peu de violet. Bah, c'est censé être prune. Un prune, c'est un espèce de violet qui est rougeâtre hein, quand même. J'aime pas trop le prune. Moi, j'aime bien le violet. Très bien comme ça, allez, on s'en fout. Des cubes. Des nounouches. Des nounouches, en veux-tu, en voilà. Un coin-coin. Voilà, un coin-coin. Une souris verte. Oh bah là, il y aura de la place pour mettre ça, dis. Il y a trop de place, là. On a même plus de place pour le placard. Qu'est-ce qu'on va mettre le placard, nous, maintenant? Bah écoutez, ça va jarter, hein. Allez hop, inventaire. De toute façon, elles vont pas se mettre à travailler maintenant. Hein. Barbecue parti avec les bambins. J'avoue, il y a de quoi bouffer, là. Il y a de quoi bouffer. On va mettre des cubes et des cubes. Voilà, voilà. Un petit chat, parce que c'est super, les chats. Et un meuble ou deux. Les petites. Non, j'étais. Vous buguez pas, c'est moi qui bug. C'est pas ça justement. Non, bah non, c'est pas là. Le truc de lumière là, on m'a fait penser tout à l'heure. Ah, ou alors je vais mettre ça. Je vais mettre les papillons.
Parce que moi, j'aime les papillons. Du coup, je vais te mettre plus là, ton lit. Elles sont jumelles, mais... elles seront bien chacune de leur côté. Hein. Oh, c'est trop Kiki Moon! Je voulais mettre une petite table, une connerie, mais... Oh, petit lapin. Ça y est, je deviens gaga. Bah, attendez, excusez-moi, mais depuis le temps que j'attendais d'avoir... Des chimes secs! Des chimes... Des enfants avec des beaux yeux... depuis Pulco, hein, je suis déçue. Hein. Imaginez, hein, ça remonte à un moment. Hein. Vas-y, on va mettre ça. On va le mettre dans la cheminée. Ah ah ah, je brûle! Il m'en faut pas grand-chose. On va leur mettre à gros nounous. Ah, les petites veilleuses. Quand elles seront plus grandes. Un nounous. Un nounous rose. Voilà. Pareil, on va le mettre dans le feu, celui-là. Nounous, on va le mettre là, le nounous. Voilà. Gros nounous, c'est un truc très... C'est très girly. En même temps, c'est deux filles. Et elles sont de la génération prune. Donc, vous pourrez comprendrez que j'accentue le côté rose, girly et tout. Voilà. Un petit lama, parce que c'est aussi violet et rose, machin, tout ça, bref. Et je voulais un meuble. Je voulais des trucs comme ça, mais... Oh, puis à la limite, on s'en fout, non, quand même? On s'en fout? On s'en fout. Allez! Dans la cheminée. Ok, Angel, t'as cuisiné quoi? Eh ben, hop, dodo! Dodo. Il est 6h30 du matin, vous allez dormir. En plus, vous avez une chambre qui sera chauffée, vous avez rien à dire. Oh, elles sont trop belles avec leurs beaux yeux feu vert! Oh, quel bonheur! Regardez que ce bonheur! Oh, t'inquiète pas pour moi. Bon, ça va. Je vais me remettre étonnamment. Je me remets facilement des ruptures. Bah, tant mieux, hein. Choupidou, c'est sûr. Des pots. Il y a déjà des pots dans les salles de bain. T'inquiète. Ouais, alors j'en ai un là. Et j'en ai un en bas. J'ai déjà. Vous savez, c'est pas le premier enfant qu'on a. Donc, ça aide. Allez, vous couchez. Parents, ils ont fait la Numba, là. Ils ont fait crac-crac toute la nuit. Trois bambins en même temps. Quel bonheur. Elles sont magnifiques. Ben oui, elles sont belles. Petit séparateur de chambre d'enfant. Bof. Pour l'instant, elles sont bambines. Tu vois, peut-être quand elles deviendront plus grandes. D'ailleurs, je vais save. Après, elles peuvent être très très moches, mais au moins, elles auront des beaux yeux. Je vais save maintenant, comme ça au moins... Oh, au cas où ça bug et que je les retrouve pas avec des yeux comme ça, ce serait dommage. Ah bah voilà, la moche qui se réveille. Effa ! Tu as mangé tes poivrons. Mange tes poivrons. Voilà, t'as vu, ça lui a fait tout l'effet qu'il fallait, hein, les poivrons. Des poivrons crus. Hop, tu peux jouer. Maman, elle a envie de pisser. Vous inquiétez pas. C'est pas... Bah, t'as faim. Bah, tu vas faire manger, Jean-Pierre, là, alors. Des biscuits en jouleur en forme de cœur. Tant que c'est pas en forme de... Des pancakes. Faudrait que je m'en fasse des pancakes. Quentin, tu fais quoi? T'as envie de dépenser ton argent, garde tes sous, mon chou. Des asperges vertes avec la sauce Vitello tonnette. Oh punaise, c'est quoi ça? Tu parles français ou tu parles quoi? Oh, j'en peux plus, elles ont les yeux bleus verts, c'est trop cool. Parce que Pulco, il est là, hein. Il est là, Pulco. Regardez. Renforcer la connexion. C'est de la bouffe qui est pourrie. Ah, c'est... Putain, il va falloir que je change le frigo, c'est pas possible. Voilà, hop, on va remettre Pulco là où il est. Elle veut pas attendre les pancakes, cette conne! Oh ouais, viens. Viens voir notre bonheur. Nos filles magnifiques. Tandis que toi, tu fais que des garçons. Et là, ça ne parle absolument pas.
Le lendemain du mariage, il ne ment, il ne parle pas. Putain, mais la génération méga boobs, hein, quand même. Hein. Faire une blague sur quoi? Sur les bernacles? Tabernacle? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Viens ici manger les pancakes, si tu veux. D'accord. Vous voulez renvoyer le train, c'est ça? Faire crac crac. La meuf qui est obsédée avec Ah oui, c'est vrai que c'est la soirée Netflix, hein. Je vide mes bites, c'est très bien. Je vide mes bites. C'est pas moi, hein, c'est Quentin. Si vous êtes choqués, mettez des pouces rouges à Quentin, mais pas à moi, hein. Regardez-moi ces boobs! Mais beaucoup plus que ses sœurs, hein, c'est incroyable. Hein. Parce que bon, là, quand même, elles sont à proportion gardée. Bon, Nuage, elle est quand même bien lotie aussi, mais... Ça dort. Est-ce que tu peux descendre, toi, les escaliers, Lila? Lilac. Mais tu vas fonctionner le jeu, oui? Mais c'est pas vrai. Je sais pas si tu peux parler. Non, tu peux pas. Bah écoute, bah tu vas déambuler, c'est pas grave, hein. Moi j'ai toute la vie devant moi pour te faire déambuler, hein, s'il faut. Oh la vache. Par contre, je pense que je les relookerai de mon côté, si ça vous dérange pas. Comme ça, vous aurez leur petite tête prochainement, dans la semaine prochaine, dans le prochain live. Ce sera mignon tout plein. Avec leurs beaux yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai fait dans ma chaîne, si est sinon ça ne se fait pas. Ma chaîne, non. Allez sur la chaîne de Quentin. Si Quentin va relancer le tchou-tchou, visage avec des larmes de joie. Non, pas quand c'est qu'avec des 1. Ça marchera pas, je pense. Si t'as effectivement, je fais les asperges avec une sauce au thon. Ah, d'accord. Ok, très bien. Bah, papa, si t'as rien d'autre à faire, tu vas laver le cul de prune. Bon, même si, du coup, on s'en fout de sa vie à elle, mais... C'est vrai qu'il y a 3 bambines maintenant, quand même. La tristesse. Est-ce que tu peux descendre maintenant? Ah, oui, elle peut. Et toi, est-ce que tu peux descendre? Tu peux pas? Eh ben, tu vas déambuler. Allez. Pas déconner. Mais sois pas méchante avec les bambines, si est-ce pas de leur faute. J'avoue, c'est ta faute à toi. J'aime le rappeler, Marie, que c'est ta faute. Ça y est, elle peut descendre. Allez, ça y est, c'est fait. Oh, Mini, elle vient faire le ménage. T'es magnifique. Tu es bien gentille. Ah oui, c'est vrai qu'elle doit taffer, j'avais oublié. Tu vas discuter avec les collègues. J'avais complètement zappé, hein. Bon, allez, pour le dernier, là, pour le dimanche, on va lui essayer de viser la petite promotion. Bon, elle pue, par contre. Aucun respect! Ben ça, c'est mes abonnés dans le chat. Ils ont zéro respect. Si est-ce toujours la faute de Marie. Tout à fait, exactement. Alors, Nuage pourrait se contenter de soutenir son équipe depuis la ligne de touche, mais elle prend très à cœur son rôle de défendre l'honneur de son équipe. Et il s'avère que la mascotte vache, ah, pour ceux qui ont débloqué la plante vache dans les émotes, peuvent la mettre, bien sûr. Il s'avère que la mascotte vache de l'équipe adverse danse au beau milieu du terrain, ça c'est moi du coup, en balançant ses pies d'une manière totalement irrespectueuse. Voilà, j'ai balancé mes pieds aussi. Incroyable! La seule chose qui empêche Nuage de se précipiter sur le terrain pour commencer une bagarre est de savoir que les sièges sont remplis d'enfants innocents venus pour profiter du match. Nuage va-t-elle montrer l'exemple ou montrer à la vache sa façon de penser? Peu cher. On est très respectueuse, espèce de sale.
Oupsie, grand sourire. Bisous. Oh, la plante vache! Magnifique. Elle va parler. Agent 21 vache. 21 vache. Alors, se battre avec la mascotte adversaire, ça augmentera sa notoriété, mais elle sera licenciée. Donc, pour le challenge, ça ne marche pas. Ignorer les provocations de la mascotte, je vais faire ça parce que même si ça ne change rien, mais pour le challenge, je suis obligée d'arriver, sinon ce serait compliqué. On sera obligé de recommencer à zéro. C'est déjà assez chiant comme ça. J'ai déjà assez de choses à faire. Tu vas discuter avec les collègues. Oui, promotion, canapé. Non, mais c'est bon. Demain, il y aura une femme de ménage. Tu vas t'occuper de tes petites choupettes. Tu vas t'occuper d'elles. Voilà, illuminer la journée, faire des grimaces. En plus, cette magnifique petite fille a des yeux magnifiques. Donc ça aide. Je vais pouvoir enlever le sapin. Oh, ils ont des beaux yeux. C'est magnifique. Reste plus qu'à savoir si elles seront belles. Regardez la petite blonde là derrière qui fait que ça. Elle a les beaux yeux aussi, elle. Oh, la malédiction. Oh, je suis tellement contente. Ça a duré quand même deux générations, hein, cette histoire. Hein. C'est fini maintenant. C'est fini à tout jamais. Non, pas bain. Je me suis trompée. Je voulais faire babiller et parler, moi. J'ai vu un B dans tes bras, faire des grimaces, vas-y. Ah, papa! Oh, oui, ça sent la petite photo, ça. Qui c'est qui aime faire des photos avec ses Sims? C'est Shirley. C'est Shirley. J'adore cette animation. J'écris le mot en D. Hein? À la douche. D'accord, j'avais pas vu. Ah, ça va mieux potentiellement y arriver, ils sont dépendants, mais trois. Oui? Douche. Ah, si, elle le dit. Elle l'a dit. Elle l'a dit, la douche. T'es bien, toi? T'es bien? C'est laquelle des deux qui est indépendante, déjà? Je sais plus. Bah, c'est la blonde. Ouais, non, on va jouer avec toi aussi. Papa, il va jouer avec toi. Parce que, comme ça, on va faire un câlin. Ça, c'est fait. Parce que il a trop mal au dos. Mais voix de fou. Merci pour ce livre, Shirley. Je suis crevée, je vais t'aller, me coucher en plus ma connexion bug. D'accord. Des bisous à tous. Des bisous, Tatou. Des bisous à toi, bonne soirée. De toute façon, on finit, hein. On a la soirée Netflix et on finit. Hein. Je vais vous faire un tuto gestion des bambins, vous allez voir si est-ce facile. Bien sûr que c'est facile. J'ai fait le 7 bambins challenge, moi, je vous signale, hein, sur ma chaîne. Je sais que c'est facile. Tu me prends pour une 1 hein? Qu'est-ce qu'il fait? Non, tu vas pas prendre un bain, Adonis. Mon bel Adonis. Tu vas enseigner le pot à ta fille. Lila. Bonsoir, arrobas, t'as touché, tiré bas le fond. Voilà. On voit que Prune manque d'attention. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à Walp. Tu vas te rhabiller tout de suite. Merci. Elle va jouer à la poupée. Et toi, t'as toujours ta promo ou pas? Oui. Tu vas travailler dur. Oh, très dur. Attends. Tu peux, s'il te plaît... Voilà, tu vas prendre le pot à ta fille. Il suffit. Ah bah il tire la chasse. Ah d'accord. Je voulais que tu t'apprennes le pot à ta fille en fait, hein, à Lila. Lila la lila la lila la la lila la. Elle veut pas. Non mais tu te fous de ma gueule, oui sale gosse. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gosses? Pourquoi ils me cassent les pieds comme ça? Aide pour le pot. Allez, commence pas. Contrôle des émotions. Allez, va apprendre à pisser. Après tira au lit. Oh, les parents ils vont être tranquilles. Hein.
Capitaine Seppo. Ah, que des beaux yeux. Ah, pour les gens, bah ils ont qu'à regarder mon challenge aussi, hein, tant qu'à faire. Elle s'est dit, oh non, c'est pas très intéressant. En plus, elle revient à 21h, nuage, hein, donc... pile le temps de rentrer, de prendre une douche et d'aller à Netflix. En ce temps-là, lui est tout seul avec ses trois gamines en bambin. C'est trois bambines, quoi. Ça prend pas du tout d'attention, c'est ça qui est magnifique. Marie, est-ce signé que t'es toute nue? Allez, au lit! Tout le monde. Tout le monde, ouais. Ouais. Tout le monde, ouais. Hop, dormir. Tout le monde au dodo. Non, mais après, t'iras dormir surtout, toi. Va être 20h. Les bambins, c'est au lit à cette heure-là, hein, quand même. Qu'est-ce que c'est que... Mais si Anana, mais pourquoi? Oh, tu vas aller à la douche, c'est pour ça. Ça arrive, là. Il faut juste qu'elle revienne, nuage. Nunu! Elle a toujours sa petite promotion, c'est formidable. Tu vas discuter un peu avec les collègues. Mais normalement, là, sa promotion. Ils nous arriveront au rang numéro 5. Oh, ça va, c'est pas énorme. Toutes les gosses sont parties se coucher. C'est bien, tu vas aller border. Border. Des eaux Kaspersky avait un petit bug. Non, pas réveillé. Oh, mon Dieu, non, border. Kaspersky. Tu vas aller border toutes les trois. Voilà, un petit bisou. Plus haut vers l'infini et l'au-delà. Ça, c'était Culcote, mais bon. On n'a pas de... On peut choisir, c'est ça, non? Avec les... 14h, 21h, 7h, 14h. Ah oui. Et elle a quand même les mêmes jours, quasiment. C'est le week-end, elle travaille, quoi. On s'en fout en fait, on doit faire cette carrière, mais on n'a pas on n'est pas obligé de faire telle branche. Si? Je sais plus. Attendez, je vais aller voir les règles, du coup j'ai pas été voir. Prends la thune. Je vais aller voir les règles, je préfère ne pas dire de bêtises. Gna gna gna, notre Sobéry. Ouais, gna gna gna, notre Sobéry, ouais, comme ça, moi c'est comme ça. C'est tranquille, Emile, hein. Avec forcément, si c'est super bien traduit, on sait pas. Aspiration bodybuilder, carrière athlète. Maximum de la carrière athlète. Compléter aspiration bodybuilder, que j'ai toujours pas avancé là-dessus. Bah écoutez, peut-être athlète alors. C'est le mieux payé. On va faire ça. Moi, on me dit athlète, je fais athlète. Oui, belle. Oh, pff, ah non, mais par contre, cette tenue. Pourquoi cette tenue si dégueulasse? Tu vas déjà aller. Ah oui, parce que je suis pas avec elle. Tu vas aller chanter sous la douche. Alors, elle a été promue joueuse de petite ligue. Elle gagnera désormais 12 simflous de plus par heure, soit 51 simflous de l'heure au total. Elle a également reçu en bonus 413 simflous. Affiche athlétique, semelle de star, nouveaux vêtements, interaction discutée de statistiques sportives, interaction étudier les adversaires. Et elle doit étudier maintenant l'adversaire. Mais va chanter sous la douche, je t'ai dit. Eh, il est 21h30, il va falloir faire Netflix, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il veut nettoyer. Non, mais à la limite, tu peux cuisiner un plateau repas. Servez-lui. Ah, j'ai faim. Des petits sandwichs au fromage fondu, vas-y. Vous allez regarder un film après. Tous les deux en amoureux. Ah, bah, elle a déjà fini. Bah, écoute, tu peux pisser, vas-y. Fais-toi plaisir. Enfin, fais-toi plaisir. Si on peut faire plaisir à faire pipi. Quoique, des fois, ça soulage, ça fait un bien fou, hein. Caresser la joue. Regardez comme ça lui va bien, hein. La petite jupe longue en maille. Tu peux prendre ça. Prendre une portion. La 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 li la la. Et regarder un film. Alors, c'est quoi que j'ai mis? Film romantique. Comme ça, ils iront niquer après. Un film cœur à prendre avec Adonis. C'est bien, hein, que j'ai mis la soirée Netflix, parce que sinon j'aurais zappé, hein. Pourquoi tu lui chantes? Non mais...
Baba. Qu'est-ce que c'est, pieds? Rina de Yankee? Mais prends à manger! Oh, ils veulent pas faire ce que je leur demande. Allez, bah tant pis, vous irez pas bouffer, puis c'est tout, non. C'est votre problème. Voilà, la soirée Netflix. On va regarder ce film formidable. Ah, Quentin n'avait pas fini. Tu peux allumer tous les éclairages. Pourquoi faire Ah, Safiro est bienvenue à toi. D'ailleurs, bonjour et bienvenue. C'est pas très écolo, j'avoue. Avec le, en plus, nouvelle add-on qui va sortir. L'écologie est au centre de la question. Arrêtez de parler, moi je regarde le film, hein, s'il vous plaît. Oh putain, Quentin. Ah bah dis donc, merci Quentin pour ce... Pour ce truc, oui, un petit peu insupportable. Non, non, ça me fait rire, mais bon. Pas trop pendant l'enregistrement du Note Soberry, parce que j'avoue que ce serait un peu chiant. Il est minuit. Le film est fini, tu peux aller bouffer. Regardez, zéro bambine qui hurle. Toi aussi, tu peux aller bouffer, hein, hey. Comment faire beuger Chantal? Visage avec des larmes de joie. 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 Bon, bah, c'était cool. Merci pour ce moment. Bah, de rien, écoute. J'avoue, je préfère toujours observer les pièces éclairées pour jouer plus facilement. Ah oui, oui, oui. Mais je la joue normale, tu vois. Après, si tu veux visiter, voir rapidement allumer tous les éclairages. Bon, après, là, c'est le soir. Donc, voilà la maison. Hein, rez-de-chaussée. Il y a beaucoup de... C'est normal, c'est Note Soberry. Et c'est la génération prune qui est là. Donc, forcément, il y a un petit peu beaucoup de rose. Puis ici, il y a un petit peu de gris et un peu de violet. Hein, voilà. Je vais repasser en machin là, je sais plus, en éclairage automatique, tous les éclairages, voilà. Parce que les petites filles, elles ont besoin quand même de dormir, la lumière est éteinte. Hein. Bon, ça suffit. Ils sont encore euphoriques, c'est vrai qu'ils viennent de se marier, on avait oublié, on a tendance à oublier ce détail. Allez, vous ferez crac-crac parce que vous avez regardé un film romantique et que ça vous a excité. Promis, vous inquiétez pas, il n'y aura plus d'enfants. J'ai eu ce que je voulais, moi. Donc, le paquet colo, je suis plutôt hype. En plus, et peut-être que ça aura un impact sur si on laisse les lumières allumées. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a pas d'impact sur le jeu, sur les factures. Mais peut-être qu'avec le paquet colo, il y en aura. Ça, je vous le dirai avec mes vidéos. Abonnez-vous. Bon, ça suffit. Vous mangez, puis vous niquez. La soirée Netflix était horrible. Tu te fous de ma gueule, non? Depuis quand Ça suffit, ouais. Tu vas les niquer, tu veux voir si elle va pas être bien ta soirée Netflix. 2h30 du matin, ils ont bouffé des croque-monsieur jusqu'à 2h du matin, quand même. Tu te fous de la gueule de qui? Allez. Je croyais qu'il y avait un impact sur la fête. Non, 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 pour moi, il y a zéro impact. En fait, ça a un impact juste sur si t'as beaucoup de meubles. Et si t'as des meubles chers, ben, genre si t'as une très très grande maison très très bien remplie, ben, effectivement, t'auras beaucoup de choses. Et si t'as beaucoup de meubles chers, ben, ça va augmenter tes factures. Mais pour moi, la lumière n'a aucun impact. Je crois que les factures sont plus élevées. Ben, il faudrait faire un test. En 2 semaines jouer... Lumière allumée, lumière éteinte, enfin en éclairage automatique. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter mon petit YouTube. Je vais enregistrer et je vous remercie de m'avoir regardé pour cette rediffusion. Et puis, désolé pour Chantal, hein, on aura bien rigolax. Je vous fais des bisous. À très bientôt pour le Note Soberry ou pour autre chose. N'hésitez pas, évidemment, à commenter, liker, tout ça. Et Chantal vous dira au revoir. Grâce à sa nana. Au revoir les copains de la rediff. Ciao !